Qui sera le grand vainqueur de cette Euro 2024? C'est la grande question que tout le monde se pose avant cette finale. La réponse, dans 90 minutes, au moins. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus? On va voir ça tout de suite. Salut tout le monde, débranchez tout, installez-vous confortablement. C'est la grande finale de cet Euro, une rencontre qui va rester dans l'histoire, l'Espagne face à l'Angleterre. C'est l'heure où on ne perd pas, c'est l'Euro, c'est la finale. La maison n'accepte pas l'échec. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Dans le but, on retrouve Unai Simon, Cucurella avec Carvajal dans les couloirs. Pedri sera accompagné de Rodri au milieu et devant Morata est titulaire. Voici la compo de départ pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford. Phil Foden sera avec Saka sur les ailes et en pointe, c'est donc Harry Kane. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Attention, il y a un bon pressing. On va en profiter là pour faire un petit focus sur Pedri avec où le danger vient de partir. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son intelligence de jeu rend les autres meilleurs. Les connexions sont plus fluides, l'équipe joue mieux. Sous pression, mais excellente couverture. Morata. Et oui, le but, c'est au fond. Enfin, le premier but dans cette finale de l'Euro. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidé, je crois, à s'orienter et marquer. Grande! De l'attention, de l'inquiétude, et puis tout d'un coup, l'explosion de joie. Le coach est emporté par le bonheur. C'est reparti dans cette rencontre, l'Angleterre est menée d'un but. Foden. Gueye. Ça joue avec Declan Rice maintenant. Alexander Arnold. Ça passe par Declan Rice. Stones. Le ballon pour Alexander Arnold. Gueye. Bellingham. Le ballon pour Declan Rice. Très bonne intervention dans la surface. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Ah non, l'Espagne qui perd le ballon là. Stones. Gueye. Trippier. Harry Kane. Ça passe par Declan Rice. John Stones. C'est pour Alexander Arnold. Stones. Ça joue avec Declan Rice maintenant. Kane. Ça joue sur Kyle Walker. Gueye. Et il faut bien l'aider, attention. Et c'est une remise en jeu à venir. Excellente inspiration avec ce ballon. Le ballon pour Jude Bellingham.
Et duel remporté en défense, belle anticipation. Bellingham à la réception. Sous la pression, bonne couverture de balle. Le ballon pour Harry Kane. Attention pour égaliser. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Morata. La remise en jeu pour l'Angleterre. Declan Rice. Stones. Walker. Declan Rice. Ça joue sur Kyle Walker. John Stones. Harry Kane. Avec Phil Foden. Kane. Le ballon pour Harry Kane. Bukayo Saka. Voilà la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Et ballon perdu par l'Espagne. Il y a peut-être un coup à jouer là pour Foden. Et ça joue sur Saka. Et c'est encore pour Harry Kane. Le ballon pour Harry Kane. Superbe intervention, sans faute. Pedri. Fabian Ruiz. Et il remporte son duel, bien défendu. Foden. Ballon pour l'Angleterre qui peut se projeter. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Alexander Arnold avec le ballon. Ballon pour Kane. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Henrik Laporte. Ça passe par Kukurelia. Laporte. Et les Espagnols qui attendent maintenant la mi-temps avec impatience. Ils mènent au score. Ça va être l'occasion de relâcher un peu la pression. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est... Regardez, regardez. Quelle intervention, elle est hyper importante. Carvajal. Le ballon pour Carvajal. Fabian Ruiz. Ah, voilà, il protège bien son ballon. Ah, ballon perdu par l'Espagne. Foden. Gueye. La transmission sur Stones. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Phil Foden reçoit le ballon. Bellingham. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Fabian Ruiz. Le ballon pour Carvajal. Carvajal. Alvaro Morata. Réception de Pedri. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période.
voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Pedri. Le ballon pour Bukayo Saka. Harry Kane la frappe. Et le ballon vient se loger dans les bras du gardien. Rodri. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Fabian Ruiz. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Sa réaction sur le banc, elle est compréhensible. Escort de parité avec ce but inscrit, un partout. La porte. Avec Robin Lenormand. Marco Corellia. Ça joue sur Émeric Laporte. Émeric Laporte. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Et ça joue sur Harry Kane. Magnifique ce contre. Ouh, c'est contré, in extremis. Le Normand, le ballon pour Pedri. Rodri. Ça joue sur Émeric Laporte. Carvajal. Pedri. Quel ballon dans le dos de la défense. Et ça sera en corner pour l'Espagne, l'occasion pourquoi pas de mener au score. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Dani Olmo avec le ballon. C'est bien exploité ce ballon. Très bon geste défensif, c'était risqué. Declan Rice. Bukayo Saka reçoit le ballon. Ballon pour Alexander Arnold. Excellente intervention dans la surface. Pour l'Angleterre. Et le bon centre là peut-être. Alexander Arnold. Cette finale. Même les oreilles, il pleure quand on arrive à recevoir cette émotion, cette transmission. On est devant une haute intensité émotionnelle. La pression n'a rien pu faire contre son talent, son équilibre, sa sérénité. C'est un but historique, héroïque. Pour le coach, ce n'est pas le moment de perdre son calme. À lui de relancer tout ça. À
Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. La porte. Ça continue avec Cucurella. Cucurella. Orientation vers le Normand. Dani Olmo. Mikel Merino hérite du ballon. Et Mikel Merino maintenant qui s'engouffre. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Oh, ça presse là sur Walker. Gueye. Avec Kyle Walker. Saka. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Dani Carvajal. Réception de Pedri. Robin Lenormand. La passe pour Rodri. Ouais, l'Espagne avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Alexander Arnold. Et c'est pour Phil Foden. Bellingham à la réception. Avec Phil Foden. Foden. Le ballon pour Harry Kane. Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. De la course, mais la vitesse du cerveau, savoir saisir la balle. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Morata. Ouais, c'est sur Ferran Torres. Le ballon pour Rodri. Ça continue avec Morata. Voilà, très belle ouverture. Et duel remporté dans la surface. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Walker. Là, c'est pour Alexander Arnold. Bukayo Saka. Saka reçoit le ballon. Harry Kane. A une succession de passes pour faire valser l'adversaire. Ah, c'est pas évident, mais très bonne couverture. Bellingham à la réception. Très bien défendu, sans commettre de faute. Ce match arrive à son terme. Espérons que le staff espagnol saura trouver les mots pour remobiliser les joueurs. Il faut poser la question de la volonté, de la générosité. Ces deux buts de différence rappellent la différence des niveaux et d'enthousiasme. Et ça joue sur Harry Kane. Un sobre mais efficace, super intervention. Ça sort en 6 mètres. Rodri. Emeric Laporte. Ça passe par Cucurella. Merino. Bonne intervention. La passe est interceptée. Saka.
Ballon donné au gardien. Bellingham. Morata. Bien défendu dans sa propre surface. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Shaw. Trippier reçoit le ballon. Et pressing sur la relance. Jordan Pickford. Shaw. Et les joueurs repliés dans leur moitié de terrain qui ont décidé de conserver le ballon pour protéger les résultats. Super progression dans la moitié adverse. C'est fait, quelle immense explosion de joie dans le stade. L'Angleterre est championne d'Europe. La joie est immense. Elle est à l'auteur de leur exploit, de leur parcours. C'est incroyable cette aventure. Oui, absolument incroyable. On les a accompagnés évidemment depuis le début. C'est un parcours sensationnel. Quel parcours! Quel désir de toucher les étoiles! Quelle illusion! J'ai adoré cette équipe. Et pour une fois, eh bien, le football revient à la maison. L'aboutissement de tant d'efforts arrive enfin avec la remise du trophée au Three Lions. Dans les pubs de Londres, une fiesta d'anthologie se prépare. Vous pouvez en être sûr. C'est au tour des supporters de profiter un peu de la coupe. Tout le monde veut faire sa photo. C'est sacré, on ne touche pas une coupe. Ah, mais ça, c'est au début du match. Après le match, on a le droit. J'ai tout mérité, qu'une manière de lui dire merci.